Nous sommes persuadés que l'extasie entraîne une baisse de la sérotonine et peut conduire à la dépression ultérieurement. Ouais, d'accord, Doc, ok. Mais le bon côté des choses, c'est que tu auras un super sentiment d'empathie avec tout le monde. Tu pourras être très proche de tes amis et dire des trucs que tu n'avais jamais réussi à dire avant. La surchauffe du corps lorsqu'on danse sous extasie accroît le rythme cardiaque et les palpitations et peut causer une hyperthermie entraînant la mort. Statistiquement, t'as plus de risques de claquer en avalant une feuille de laitue de travers ou lors d'une dispute dans un bar qu'en gobant un extra. L'alcool tue 30 000 personnes par an, rien qu'ici, en Grande-Bretagne. Mais ça fait rien, parce que c'est une bonne drogue imposable, alors on laisse courir. Votre pénis se ratatinera, puis vous n'aurez plus d'érection. Quiconque prend régulièrement de l'extasie cogne contre le mur, séparant le conscient de l'inconscient. Et un jour à venir, au lieu de tendre la main vers les SS, il se souffle de la tête. Expression choquante, drogue douce. Si c'est une drogue, elle peut pas être douce. Et si elle est douce, c'est pas une drogue. Sur les visions mescaliniennes, le déclarer et répéter, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. On me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, le déclarer et répéter, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. On me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, le déclarer et répéter, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Thank you.